Abonnez-vous à la chaîne YouTube Kensia officielle. À savoir sur le démon, incube et succube. Incube, c'est un démon qui se pose sur les gens pendant qu'ils dorment. À celui-ci, le nom qui traduit est paralysie du sommeil, qui est celle que quand tu dors, quelque chose monte en toi, et commence à te serrer le cou, et tu ne peux rien faire absolument. Tu peux crier, mais personne n'écoute. Même si vous voyez ce qui se passe, vous ne pouvez rien faire. De même, ils ne vous paralysent pas seulement, ils agissent à travers leur peur, et absorbent leur énergie à travers des relations sexuelles et des orgasmes multiples. Parfois, la victime, au réveil, ne se rappelle rien, mais elle se sent extrêmement épuisée, et pense qu'elle a simplement eu un cauchemar ou des rêves érotiques. Quelques lèvent avec des bleus et des morsures sur le corps. À la fin, la personne se sent triste, et s'ennuie. Elle se sent non aimée, rejetée, certaines arrivent jusqu'au point de se faire tuer. Il y a deux types de ce démon. Incube, qui est le masculin, et succube, qui est le féminin. Ces êtres prennent la forme d'une femme ou d'un homme très sexy. La personne le sent au-dessus de son corps, sans pouvoir bouger, et ça excite tellement la personne au point d'atteindre l'orgasme. Parfois tu te sens bien, tu peux aimer, et tu ne te réveilles pas. Ça t'est déjà arrivé. Ce que tu dois faire. Éviter de dormir nu, sans caleçon et sans porter une blouse pour le femme. Chaque jour avant de dormir, il faut prier et méditer la parole de Dieu. Il faut marcher dans la sainteté. Évite de regarder de films caméra ou de revues pornographie. Quand ça arrive, tu dois bouger jusqu'à ce que tu te réveilles. Crier ne sert à rien, car il fera tout ce qu'il veut avec toi. Quand tu te réveilleras, tu vas penser que c'était un cauchemar. Quand tu te réveilleras, il ne faut pas rester tranquille non plus, alors assieds-toi, et commence à prier, utilise tes armes spirituelles, va te battre jusqu'à ce que tu sois sûr que tu as gagné. N'oubliez pas que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Droit Luc 10h18-20. Droit Romain 8h37. Droit inviter plus personne à abonner à cette chaîne en cliquant j'aime afin que plusieurs soient enseignés.